Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat-revente. Oui, le titre, sûrement la miniature, je sais pas comment je vais l'appeler exactement. C'est très aguicheur, mais c'est tout simplement la vérité. C'est que depuis hier, j'ai réussi avec la Tech 59. Hein, vous savez que eSport, on va y aller tout de suite. Hein, eSport a mis tout simplement ses différents défis de création d'équipe. Hein, donc il y a le EDS garanti, mais là le joueur est non vendable. Mais il y a également l'EDS échangeable, donc un joueur de l'équipe de la semaine échangeable. Et il faut absolument des joueurs à 84. Je vous montre un peu une équipe voilà qui pourrait vous servir. Je pense que je ferai peut-être une équipe dessus, je sais pas. Mais voilà, au moins vous verrez les joueurs qu'il faut mettre pour pouvoir réussir le défi. Et pour ça il faut être un minimum 84. Donc tous les joueurs qui sont à 83, 84, 85, 86, 87 ont augmenté, à part ceux qui coûtaient très cher. Mais je pense évidemment à certains joueurs, au Navas, je pense évidemment au Xabi Alonso, au Thiago, etc. ont augmenté. Mais c'est surtout un combo que je vous avais déjà donné qui m'a permis de remonter, hein, parce que je vous avais laissé, je n'avais que 1,5 million de crédits. Je vous quadrado et j'ai tellement tous les joueurs que j'ai même plus de place quoi. J'ai beaucoup de joueurs. Bon, ça vous rappelle au moment où je vous ai laissé pour le pack opening. Et maintenant on est de nouveau à 2 722 000 crédits. Là je vous montre juste certaines ventes, hein, voilà. Mais c'est surtout le combo Handanovic au Black qui m'a rapporté à lui tout seul un peu plus de 800 000 crédits. Voilà, c'est juste simple. 800 000 crédits depuis le début. Et après, voilà, les autres joueurs m'ont rapporté également. J'ai enregistré énormément tous les joueurs que j'ai vendus sûrement. J'en ai peut-être oublié, mais en tout cas voilà, Handanovic, je vous les mettrai au moment où je suis en train de parler pour vous montrer à quel point ça a été ultra efficace. Et dans le classement hebdomadaire, voilà, je suis à 6 134 000 aujourd'hui. Si j'étais fut champion, donc je me suis pas concentré à faire de l'achat revente, j'ai dû gagner une 50 000 crédits, c'est nul. Mais hier, si vous m'avez suivi sur Twitter, je suis passé de 5 millions 3 à 6 millions quelque chose assez rapidement, tout simplement. Et là j'avais envie de vous sortir la vidéo ce soir. Parce que évidemment, mais tous ceux qui ont fait fut champion avec Handanovic, avec Oblak, et je vais vous donner d'autres combos, évidemment, il y a moyen de gagner pas mal de crédits. Je vous rappelle pour également pour la Tech 59. Donc là le combo c'est simple, c'est gardien, or et slovène. Et là vous pouvez tomber en même temps soit sur Handanovic, soit sur Oblak. Je vous rappelle qu'en Tech 59, c'est très important, voilà, vous mettez à 13 000. Et de faire comme ça, donc juste de faire XB ou carré rond sur PlayStation. Et d'aller juste sur le côté comme ça. Mettez-vous bien en achat immédiat. Voilà, descendez d'un cran. Et comme ça, quand vous allez aller sur le côté, est-ce qu'il y a un joueur, vous aurez juste appuyé sur A, monter A. Voilà, comme ça, l'avantage c'est ça. C'est juste d'aller sur le côté, voilà, comme ça. Vous voyez, ça va très vite. Au Black à 13 000, bah, c'est plutôt intéressant, hein, il se revend vers les 14 500, 15 000, on va être plutôt gourmand, on va le remettre à 14 750, et s'il part pas, au pire, je le remettrai, et voilà, vous faites exactement ça, voyez, même à 13 251, pas, bon, bah, vous remontez d'un cran, 13 500, là, il y en a un peu plus, hein, de à 13 500, mais je pense que les prix, hop, voilà, et vous faites exactement la même chose, ainsi de suite. C'est que le début, parce que évidemment les joueurs vont se séparer de leurs joueurs Handanovic et au Black. Et forcément, ils vont pas s'être rendu compte que pendant le week-end, leur prix a augmenté. Ils vont les remettre à 7-8 000. Et là, évidemment, vous allez être ultra gagnant. Ce qui est un peu moins le cas pendant toute la journée. Non, 13 000, je prends pas. Vous voyez, on peut aller très vite et se rendre compte que le prix est pas intéressant. Et arrêter au dernier moment pour pouvoir éviter d'acheter un joueur à 13 000. Le but est d'acheter moins cher. Là, le but est de les acheter vers les 12 000 pour pouvoir les remettre vers 14 500. 15 000 et vous faites ça ainsi de suite et vous allez voir que ça va tomber très régulièrement. L'autre combo que je voulais vous donner, c'est tout simplement fait première ligue Arsenal plus allemand. Voilà, allemand c'est important. Et là c'est pareil, il y a deux joueurs qui sont quasiment au même prix, hein, ça il suffit de chercher. C'est Mustafi et Mertesacker. Donc là pareil, vous mettez à 2008 au moment du joueur. Hop, bon, pas intéressant à 2008. Et là vous allez vous mettre à côté, pareil, vous remettez, voilà, achat immédiat. Et là vous faites la même chose, vous allez essayer de les... Non, vous voyez, hop, là c'était pas intéressant, puis je me suis un peu chié. Un autre combo comme ça, vous enlevez allemand, vous allez tout simplement à Chelsea et vous faites pareil, sauf que vous allez descendre un tout petit peu, vous allez redescendre à 2100 et là vous allez avoir Zuma. Vous allez... Bon, évidemment je suis pas assez rapide au moment vu que je suis en train de décaler. Soit Zuma, soit Kahil, soit Terry. Voilà, les trois peuvent tomber et donc évidemment, ben ça va faire beaucoup de crédits parce que les trois ont augmenté de prix. Ah ben celui-là était à 2000. On va le prendre à 2000. On va le prendre à 2000, on va le remettre à 2005. Ça va partir comme un petit pain. Voilà, allez, on enchaîne, et on enchaîne, et on prend, et on prend. Et le dernier combo, c'est tout simplement de vous mettre en milieu. Vous allez en Bundesliga. Vous choisissez Espagne.
Et là, vous allez avoir au même prix, vraiment, Thiago et Xabi Alonso. Donc là, ça le... Hop, pardon. Et là, vous choisissez bien Bayern Munich, pardon. Hop, Bayern Munich. C'est dommage qu'il y ait Bernat qui nous embête. Sinon, on aurait pu rajouter Ravi Martinez qui également marche parfaitement. Même les prix n'arrêtent pas d'augmenter pour ce combo-là. C'est impressionnant. Voilà, donc à 5003. Et là, vous allez, pareil, faire exactement la même chose. Et là, vous allez voir qu'il y a pareil. Là, on est en fin de fut champion. Les joueurs vont vouloir s'en débarrasser. Demain, avec le Cybermonde également, vous allez pouvoir tomber très régulièrement sur Thiago ou Xabi Alonso. Voilà. Hop, voilà, on remporte, hein. Voilà exactement ce qu'il faut faire, et évidemment, vous allez remporter, il y a pas mal de joueurs, donc Thiago, là, je l'ai mis sur la liste des transferts, j'en ai même loupé un à 2600. Au final, voilà ce qu'il y a besoin de faire demain, et également, pensez bien à investir demain, je pense, sur les gros joueurs, parce que, entre le Cyber Monday et les gens qui vont vouloir se séparer de leurs gros joueurs, sur les petits joueurs, c'est un peu différent, vu que le Squad Building Challenge a un peu changé la donne. Pensez à bien faire, je vous mettrai dans la description, mais voilà, la liste des joueurs entre 83 et 87 à faire, vraiment en tech 59, je vous les mettrai. Si vous trouvez qu'il y a trop de concurrence sur un joueur, passez à un autre et ainsi de suite, jusqu'à trouver le joueur où il y aura le moins de concurrence pour vous et ainsi de suite. Faites tout simplement la même chose en fonction des plateformes, comme ça, ça va diluer un peu le trafic. Et évidemment, les combos, eh bien, je vous les donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira pour pouvoir gagner pas mal de crédits ce soir. Et surtout demain pendant le Cyber Monday. Surtout ce soir pour ceux qui ont école ou le travail demain. Et le Cyber Monday jusqu'à demain soir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que ce combo énorme au Black Handanovic, vous le connaissiez. Mais je sais pas pourquoi vous l'avez pas fait. Parce que voilà, moi il m'a juste rapporté en une seule journée 800 000 crédits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour vous avoir donné le combo, parce que j'aurais pu le garder pour moi un peu plus longtemps. Explosez-moi la barre de likes. Ce serait énorme si on pouvait atteindre les 2000 likes sur cette vidéo. Moi je vous fais des bisous à tous. C'était Robert 87 000. Ciao les gars.